Ce mari se réveille avec des rayures en sanglant et sur tous le dos en zone touristique, sa femme réalise vite leur grosse erreur. Ah, la plupart des personnes qui ont déjà été en vacances auront déjà eu un massage. C'est particulier point d'interrogation inversement vrai si vous allez dans des pays comme la Thaïlande, où il est habituel de se faire masser et d'obtenir des soins esthétiques à des prix extra, négation logique me m'en bat. Mais à ce moment-là, il serait peu, négation logique très bon de demander quel type de massage est offert à l'avance. Ne pas le faire, comme dans le cas de ce couple australien, peut avoir des conséquences assez choquantes. C'est dit à Bali est une destination touristique populaire dans le monde entier. Pas étonnant, vraiment, de considérer cet endroit comme un paradis compte tenu du côté de la vie qui est extra, négation logique me m'en bas et là-bas. Candice Raison et son mari Matthew, d'originaire du sud de l'Australie, étaient à Bali depuis 6 jours quand ils ont décidé de s'offrir un massage. Cependant, ce qu'ils s'attendaient à vivre comme une TH rapide relaxante et agréable s'est avenu RE, négation logique très quelque chose de complet point d'interrogation inversement different. Matthew a été choqué de découvrir d'énormes rayures rouges sur son dos le lendemain matin. Candice Raison a dit à la Daily Mail Australia que son couple a décidé de commander un massage via une application. Le service impliquait que la masseuse vienne chez le client sauf Candice et son mari étaient trop fatigués pour sortir. Mais quand l'heure du soin de Matthew est arrivée, la masseuse lui a demandé s'il voulait un demi à faire sortir le dragon rouge de son corps. Le dragon rouge, le couple n'a pas compris ce que la masseuse voulait faire, mais a suppos qu'il s'agissait d'une un demi à prix point d'interrogation inversé rea. Un demi à je ne comprends pas ce que vous dites, mais mon mari essaiera n'importe quoi, allez-y. A Candice a répondu. S'adressant au Daily Mail, elle raconte comment la femme a commencé à frotter le corps de son mari avec une pipe point d'interrogation inversée ceux de monnaie, en leur disant que demain il y aurait un demi à dragon rouge. Ce type de traitement, connu sous le nom de gua sha, est connu pour libérer les impuresses du tissu musculaire. Les praticiens y parviennent en utilisant des pierres ou le CT des pi points d'interrogation inversés ces deux monnaies pour gratter la peau du dos d'une personne. Elle laisse souvent d'affreuses rayures rouges sur le corps. Le lendemain, le dos de Matthew était complet point d'interrogation inversément couvert de ces rayures, du haut de son cou jusqu'à son coccyx. Malgré le choc de tout cela, Matthew était capable de sourire. Un demi à on peut dire qu'on riait tous au clat, a dit Candice. La méthode non conventionnelle aurait eu un effet marque sur la guérison des maux de dos chroniques de Matt. Raison à travers l'entretien de lignes électriques haute tension au cours des 3 derniers points d'interrogation inversés récents, ce qui lui a causé des maux de dos. Les marques disparaissent un demi à il ne s'est pas plaint d'un mal de dos depuis. A indique Candice. La pi point d'interrogation inversée ce n'a pas IBM la peau, bien que les marques soient rougissant, et 5 jours après point d'interrogation inversée s le massage, le dos de Matthew est presque revenu à la normale. Un demi à les marques sont encore un peu là, mais presque inexistantes. Point A il va sans dire que les massages habituels peuvent souvent, négation logique très une expérience exquise. Mais si pour Matthew tout s'est bien passe, il est toujours sage de vérifier ce que vous un demi a commandé à réellement. Si la masseuse vous demande si vous voulez un dragon rouge, il vaut peu, négation logique très mieux réfléchir longuement avant de répondre. Ou peu, négation logique très que c'est ce qu'il vous faut si vous souffrez d'un mal de dos. Veuillez partager ces informations sur Facebook afin que davantage de personnes puissantes, négation logique très informées. Ah.